Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enshrouded, toujours en coop et toujours accompagné de Tonchan. Bonsoir. Lors du dernier épisode, on avait découvert, enfin, libéré l'alchimiste, que nous allons nous empresser d'invoquer. Balthazar, l'alchimiste. Oui! Hey! Bonjour. Mortier de l'Alc. Voilà. Uh-huh. Mon fidèle mortier est perdu. Ah, c'est con. Je pense qu'il est dans ma tour, au plus profond du chardon solitaire. Je vous en prie, trouvez-le. Mes capacités seront bien meilleures avec. Nous sommes des grains de poussière dans un tourbillon d'étoiles, mon ami. Oses-tu tendre la main, souhaitant saisir un morceau d'éternité. Peut-être que l'obtention d'un sort éternel te conviendrait. Je sais qu'il y en a un qui est enterré dans la tombe souterraine à côté de son terrible maître. Ah. Il fait les potions de soins. Avec de l'eau, des baies violettes et des champignons rouges. D'accord. Il fait les flasques de la brume. Du charbon, de la brume et de l'acide de bois. Il fait les sorts. C'est lui qui fait les sorts. Trop bien. Il fait une pierre à aiguiser. D'accord. De la poussière d'insectes avec les morceaux de bestioles. Des lucioles. Il fait de la poussière luminescente, mais pour ça, il lui faut son mortier. Il peut faire les cœurs de brume. Ah ouais, carrément. Ouais. Il peut faire une canne spirituelle. D'accord. Ah, il fait l'armure des sorciers. D'accord. Et après, il fait des livres. Il peut faire du housing en mode livre. D'accord. Oups. Qu'est-ce que t'as fait? Rien, j'ai pas du tout tapé la porte. Il est par la porte. Flèche en ferraille. Flèche éclairante, oui. Flèche en silex. Ah oui, bah maintenant on peut faire plein de flèches en ferraille. Certes. Tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre tout de suite de la fourrure à... matériaux insuffisants, oui. Alors, tac, 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 tac. Voilà. On va avoir quelques fourrures. Alors, j'avoue. Alors, c'est quoi déjà? C'est... une petite pierre aiguisée, là. Dépôt des piles d'articles. Ouais, c'est ça. Je vais aller nous chercher un peu de silex. On a trop de ferraille. Oh, trop. C'est parce que tu l'as pas encore mis dans la forge. C'est ça. Mais est-ce qu'on met tout dans la forge? Non, hein. Bah, je sais pas. Est-ce qu'on a besoin de ferraille brute? Bah, peut-être pour des clous, des trucs comme ça. Peut-être, effectivement. Bah, écoute, je vais en mettre... Je vais mettre 50 ferrailles, d'accord, dans la forge, ce qui va nous donner 25 feuilles de métal. Je pense que c'est assez, non? C'est pas mal. Ah, on a 12 potions de soins ici. Alors, est-ce qu'il nous reste du charbon? Oui. Tac. Par contre, on n'a pas assez de charbon. Je vais aller en refaire. À moins que ça s'en soit. Oui, on a assez de charbon. Hop, est-ce que je vais mettre un stack complet? Voilà. Donc, les feuilles de métal sont en cours.
Il nous reste 53 ferrailles. Ça me paraît bien. L'épée est efficace. Bah tant mieux. Est-ce que je fais des potions de soins ? Écoute, si on en a déjà 12, peut-être pas. Des potions de résistance à la brume, on en a aussi. J'en ai quelques-unes aussi, ouais, effectivement. Hop. Il doit m'en rester 3, je crois, sur moi. Je me suis fait un sort de glace. On va le tester. Allez. Petite question, il faut combien de temps pour ça? 21 minutes, dans 21 minutes on aura toute la fourrure qui sera faite. Comment ça marche? Ah oui, d'accord. Aïe. On est sur ce type de boule de glace, oui, d'accord. C'est de la vraie boule de glace, quoi. Vanille ou framboise? Ah. Stracciatella. C'est de la stracciatella. C'est pas mal non plus. Ouais, je sais, je sais. Hop. Alors. Ah non, tu vois, c'est le... Ah mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le même séchoir. Ah. C'est pas le même séchoir. Oui, non mais... Dis-moi, combien nous faudrait-il dans l'idéal de silex ? Autant que tu peux en ramener. Ma foi. Attends, moi je nous prépare un petit truc quand tu vas rentrer à la maison. Quand tu vas rentrer à la maison, tu auras un petit plaisir. Et je sais que c'est un plaisir coupable. Tout le monde, toutes les personnes ont ce petit plaisir coupable. Je le sais, vous le savez. Alors, on va mettre ça là. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre... Si. Ah si, ça c'est le tue-l'amour par excellence. Donc on va le mettre, on va faire ça. Et évidemment... Évidemment. Tu fais, c'est toi qui fais les torches murales ? Oui et non. Comme il n'y a pas de déblocage de recettes, tout le monde oui, peut non, le faire. Oui, non, non. Je parlais du charpentier. Ah, non, de mémoire, c'est de base la torche. Non, c'est le charpentier, la torche murale. La torche murale en elle-même, c'est le charpentier. Voilà. Oh oui. Voilà, ça c'est une vraie chambre. Tu verras, j'ai agrémenté notre chambre. Oh là là. Ah, et moi j'ai cassé ma pioche. Ah, c'est con. Bah du coup, je rentre. Hein. T'as trop farmé ? Ah, je veux te voir découvrir notre agrémentation de... On peut parler à la flamme. Un autre survivant réveillé, l'alchimie se révélera utile. Ouais, ok. J'y avais pas pensé. Ouais, regarde, viens. Regarde. Oh. Tu peux maintenant faire caca dans la chambre. Directement dans la chambre.
Le meilleur tue l'amour. Et regarde à côté du feu ce que j'ai mis. J'ai bloqué une seconde parce que quand tu t'approches des toilettes, il marquait ramasser. Je te demande ce que tu veux ramasser, ton chien. Ben voilà, bah ben non, du coup, non. Oh ! Mais dites-moi. Mais ouais, mais il n'y a pas d'eau dedans, je suis déçu. Ouais, puis c'est un peu court, hein. Four séché. Faut 4, 6, 10, 15 four séchés. On en aura assez. Très bien. Il y a combien là? Ah, déjà 8. Magnifique. Alors... j'ai trouvé un arc. Ouais. Un arc court en pain. Il a 10 de puissance. Je te l'envoie. Le mien, il est à 15. Voilà, bah je te l'envoie. Tu en feras des copeaux si tu le souhaites. Bah là, c'est fait. T'as vu ce que je fais avec ce que tu m'offres? Je le démantèle direct. Mais on est d'accord que ce qu'on a construit, on peut que le jeter. Hein. Le jeter. Ouais, tu peux pas le démanteler ce que t'as construit. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux le poser sur la table. Ah ouais? Et on peut fabriquer quoi? De la farine d'os avec des os. D'accord. Manifestement. On verra à quoi ça sert. La farine d'os? Ouais. Bah j'en ai looté, donc on doit avoir déjà les recettes liées. Apparemment non. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Un misclic, chef. Ah. Oui. Alors. Oui. Oui. Où que c'est qu'on va? C'est quoi utiliser la pile? Ah oui, non mais on a débloqué plein de trucs. On peut aller chercher la fermière. La fermière? Ah bah oui. Oui, à un moment ça va être utile. Il nous manquait quoi déjà pour faire des nouveaux coffres magiques qui vont bien là? Je sais pas. D'accord. C'est toi qui les avais fait la dernière fois? Oui, oui. Et de la farine d'os, on en a déjà 15. Ça devait être là-dedans. C'est marrant quoi. Du stockage. Il nous manque un petit coffre et de la brume liquide. Parfait. Hop, nous disions donc la fermière, c'est ça? Ouais, par contre, elle est loin. Ah oui. Bah faut qu'on aille à la tour des anciens et qu'on prenne plein d'or. Ouais. En passant par les petites chapelles de flammes et puis la recherche des tombes cachées. T'as vu ça le bourrin? Ça fait vraiment homme des forêts là. Mon perso. Ah oui. Je suis la femme des forêts. Go alors. Tour des anciens des hautes pâtures alors. Tout à fait. On a lancé la TP en même temps. Ça c'est drôle. Alors. Plein d'or t'as dit. Hein. Bah donc c'était par là. C'est cela même. Au nord-nord?
À mon avis, ça doit pas être loin de la deuxième tour qui est là-bas en face, tu vois. Ah, ou c'est juste le truc mort là qu'on voit juste en face là? Attends, je vois pas de quoi tu me parles. Oui, la tour là. Oui, je la vois la tour. Regarde, il y a un truc noir là juste avant. Truc noir juste avant. Oui, une espèce de forteresse en ruine, je sais pas quoi, à côté d'un petit village. Ça me paraît fort près. 678 mètres, c'est pas Ce si serait loin. pas les tombes cachées? Peut-être. Bah écoute, on va aller voir. Go! Moi, je vais me diriger. Regarde, t'as une petite maisonnette là dans les bois. J'y vais. Faudrait qu'on fasse le planeur amélioré aussi. C'est une idée. Voir ce que ça change. Plus vite, plus loin, plus longtemps. Moins de consommation d'enduit, tu penses? Peut-être. Ah oui, la petite maisonnette, en fait, elle est un peu grande. Ouais, c'est pas. Puis faut pas louper son coup. Hop, vire à gauche. Mais il met peut-être moins de temps aussi à l'ouvrir le perso. Peut-être. Tu vois, on a déjà fait plus de la moitié du chemin, hein. Ferndale. Attention! Son niveau 7. Là, c'est pas les mêmes dégâts quand c'est toi qui tapes, hein. Attention, il y en a un juste en dessous. Merde! Par où je sors? Wingardium Leviosa! J'ai dit Wingardium Leviosa! Mouais. Il avait plus le droit de taper normalement. Parce que c'est Leviosa. C'est ça. Leviosa, pas Leviosa. Ils sont un peu nombreux là-bas. La pupille? La pupille? T'as plus de piles? Si. Pourquoi le sort il se... Bien sûr que si que j'ai encore des piles. Pourquoi il se faisait plus? Ah parce que j'ai plus de mana! Ça C'est prend moche des... ça. C'est des munitions et du mana! C'est moche. Ah ouais, c'est hard la magie. Il y a une liste de courses. Protection contre la brume. Les précautions contre la brume doivent être prises en tout temps. Ne vous aventurez pas dans la vallée ou proche des bassins des rivières. La brume peut vous submerger. Évitez les contacts. Ne la respirez pas. Et assurez-vous de vous protéger les yeux. Après contact, prenez immédiatement les médicaments approuvés et restez en quarantaine. C'est comme pour le Covid, quoi. Je vous en prie, seulement les médicaments prescrits. Ne touchez pas à l'élixir. Oups. Nous sommes tous fatigués et en manque de repos. Je vous assure que je l'aurai bientôt d'autres teintures et remèdes. Soyez patients, vous pouvez les récupérer à la tour. Je remarquais que certains d'entre vous se tournent vers des moyens peu recommandables pour se protéger. Je vous prie de vous abstenir. Ah bah l'abstention c'est un très bon moyen de protection. De telles mesures extrêmes. Les solutions du marché noir sont très volatiles et dangereuses. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit blessé. Il y a une enclume ici pour réparer le matos, si nécessaire. Ouais, non, moi ça va.
Ah bah là c'est Ah, le... Là il y a du c'est bruit derrière. le... Hein? Ouais, il y a quelqu'un dans la maison. Il essaye de communiquer avec nous. Aïe. Ça va, Ouais, moi monsieur? je suis à l'intérieur. Ah oui, moi je l'ai trouvé, il est coincé entre un mur et une barricade. Ah d'accord. C'est bon, t'as réussi à passer? Bon, dans la maison, il y a des bouquins, quoi. Pas tous les péter, on va peut-être pas récupérer tous les bouquins de l'univers. Beaucoup de bouquins. Des morts aussi. Oui, mais ça, c'est pas... On s'en fout, c'est pas du loot. Oh, à voir, hein. Un peu de farine d'os. C'est vrai. Nous sommes embrumés. Non. Bah, j'ai le timer qui est apparu disparu, mais... Je défendrai ma maison! Ah, il Je y en a un pouvais... qui s'est bien amusé ici, je crois. Je pouvais voir qu'il avançait grâce à la fumée qui dissipait, qui se dessinait à l'horizon. Beaucoup ont fui, mais je suis resté. Il grogne devant la porte. Je défendrai cette maison, comme l'auraient fait mes ancêtres. J'ai caché un trésor sous l'escalier de pierre. Ok. En dessous de l'escalier. Ah oui. Faut casser ça. Ah, attention. Voilà. Bah tiens, regarde la masse. C'est pas mal, mais ça s'améliore qu'une seule fois, donc au final, ça va faire des runes. Hein. Bon, moi j'ai une baguette de glace et une baguette de feu comme ça. Bon. Ah ouais, Nous disions donc. apparemment elle serait à 200 mètres là. La Ouais, je te ferme? dis, pour moi, c'est le. C'est Le bâtiment le. La noir qui grosse est là. Hein. bâtisse Bah noire ouais, qui est ça doit être là, ouais. ça. Hein. En avant. Par contre, les ennemis sont un peu vénères ici. Ah bah niveau 7, hein, ils sont juste au-dessus de nous, hein, mais. Est-ce qu'on va pas un peu trop vite pour le jeu? Je ne sais pas. Trop vite, on n'est pas non plus en galère, quoi. Ouais, non, Si mais. on était en train de mourir à chaque coin de rue, je dis pas, mais là. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai vraiment l'impression que le leveling va vite. Enfin, que la progression va vite, mais j'ai que le leveling en tant que tel ne va pas si vite que ça, justement. J'ai toujours pas pris mes points de compétence. Hein. J'ai quand même C'est vrai, moi acheté. non plus. De là à dire que c'est complètement superflu. Bah, tu vois, c'est ça. On verra un peu plus tard, quoi. C'est peut-être un peu ça le problème que j'ai en ce moment avec le jeu, c'est que on te met des points de compétence, mais regarde, on les prend pas, on y arrive quand même. Donc, ils sont peut-être pas forcément. Je pense que leur équilibrage n'est pas fini. De toute façon, c'est. Voilà, hein, c'est encore une alpha, hein. Mais je pense qu'ils ont encore pas mal de taf quand même. Hein. Ça manque un peu de défense ici, non? Bah... Je sais bien que c'est une fermière, mais quand même. peut-être plus une épreuve alors. Que ferait une fermière dans la lave? En tout cas, il y a des trucs à aller chercher à mon avis, parce que... Il y a des chemins en bas. Oula. Ah! Il y a trois boutons à trouver. Y a trois boutons à trouver. Ouais. Alors... Ah!
C'était pile poil. Ok. Ah! Les éclairs préférés de Tonche. J'en ai trouvé un. Joli. Aïe. Je suis parti voir vers le bord. Hein. Il y a certainement quelque chose. Alors... Oh. Alors, moi je suis tout en haut là. Enfin, je suis remonté. Mais j'en vois pas d'autres. Donc toi t'es en bas. Hein. Ouais. Oh ça va la lave. Ça va la lave. Attends, ça c'est là, c'est ah, ce que je viens de faire. J'ai trouvé un truc là. Ah, j'ai pas vu ça. Oh, 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 oh. C'est pas un coffre. Bah je viens d'en voir un que je n'avais pas vu. Je vais aller le chercher. Alors, donc, je t'avoue, c'est pas dégueu les coffres ici. Tu as de la place sur toi ? Attends. Un petit peu, je crois. Ouais. Tiens, regarde, je t'envoie un truc que j'ai trouvé. Ah, t'es trop loin. Attends, j'arrive. Où es-tu ? Ah. Voilà. Ah, le petit bâton. La foudre du berger. Ouais, c'est à peu près le même que le mien. C'est juste les... ça aussi. C'est les perks qui sont pas pareils. Ah, l'arc, il peut être pas mal. Il faudrait que je l'améliore par rapport au mien pour voir. Et donc, t'as pas trouvé de bouton. J'ai pas trouvé de bouton. Ici j'ai une lanterne qui est allumée. Moi je cours dans la lave, hein, j'ai rien à foutre. Et j'ai trois lanternes éteintes. Ah. Hop. T'as trouvé quelque chose? Attends. Mais c'est encore le même bouton! Je tourne autour du même bouton depuis tout à l'heure! C'est horrible! Je sais que je suis con, mais quand même à ce point-là. Ça devient du génie! Alors. Alors j'imagine que c'est quand même dans le bâtiment, pas à l'extérieur. Ah oui, c'est, pour moi c'est dans le bâtiment. Mais si tu vois un con qui se balade... un bouton ça là-haut? Ça là-haut. Regarde. Là où tu vois cri. Là où ah, tu vois les dégâts. C'est possible, ouais. Comment t'as fait pour monter? Viens avec moi. Ah oui. Là, t'avais le truc avec les éclairs, que j'ai désactivé en activant le bouton. Parfait. Le bouton qui est là, qu'on voit bien, il peut pas être loupé. Voilà.
Après, t'arrives à une flamme. Mais on peut pas interagir avec. Ah putain, j'avais pas vu. Bouton numéro 2. Mais... ces grilles m'envolent. Ah oui, donc là on arrive à une flamme. Et ça ? Machin. Tu as trouvé le bouton numéro 2. J'avais pas vu les accroches au plafond. D'accord. Bon, après, le bouton numéro 3, il doit pas forcément être bien loin. On peut monter ici. On est sur le toit. On peut descendre dans des trous. Et Dieu sait que j'aime aller dans les trous. C'est marrant, hein, dès qu'il faut faire des énigmes, on est nul. Hein. Quand il faut casser des culs, on est là, mais... Ah, trouvé. Ah. Oh, bordel. C'est dégueulasse. C'est bon. Activé. Bon, par contre, j'ai pas regardé s'il y avait des coffres. Hein. Je t'avoue que moi non plus. Je crois que c'est par ici qu'on descend. Dit-il en trouvant un. Et la fermière. Popcorn et deux plus deux autres. D'accord. Waouh. On va pouvoir faire des popcorn. Trop classe. Par contre, qu'une fermière nous apprenne à faire des popcorn, tu vois. Ouais. À la limite, qu'elle nous apprenne à faire du maïs, bon, soit, mais... C'est ça. Oh, la pépinière. Les semis d'arbustes. Et plein de trucs. Qui c'est qu'on fait, là? Eh bien, il y a un puits d'élixir juste à côté, celui où on était tout à l'heure. Ouais. Sinon, on a quelques quêtes sur le côté, le mortier de l'alchimiste, le tombeau de la reine. Ou alors, on rentre à la maison et on plante. Le mortier de l'alchimiste... À l'est. Ce serait peut-être bien, le mortier de l'alchimiste, ça débloque des recettes chez lui. Allez. 500 mètres par là. Comment tu sais que c'est à 500 mètres? J'ai mis un marqueur. Ah. C'est quoi le gros bâtiment noir en haut là, de la montagne? Gania. Tu l'as vu? Tu regardes pas du bon côté. Non, mais je vois. Et ça doit être le tombeau de la reine. Je pense. Bah, d'après les marqueurs sur la map, je dirais oui. Bon, je t'ai même pas vu, toi. Magnifique. T'as vu ça? Une maison. Oh. Enfin, les mecs, ils ont vraiment un coefficient de concentration de 2. Attention derrière toi. Bonjour. Bonjour. De l'eau. Du tissu. Ficelle. Et une sacoche, mais...
Et j'arrivais pas à l'ouvrir, mais c'est bon, elle est ouverte. Ah, c'était toi. J'ai vu un truc, je croyais que c'était un ennemi. Ça avait l'air d'être une auberge. Une taverne au moins, oui. J'ai pas vu beaucoup de lits. Ouais. À mon avis, on peut aller dans le grenier. C'est un bistrot à pochetron, ouais. Dans le grenier, tu dis? Take cover! Oh! Cet homme. C'était pas la solution. Ah bon? Bon, j'ai fait un trou dans le plancher. Et ça me permet pas de monter. Non, mais bon, il y a un passage. Laisse tomber, je suis sûr qu'il y a rien. Bon, tant pis, j'étais fier de ma... C'est quoi, c'est un bug graphique ça là-bas ou c'est un truc... Oui. De quoi? Je sais pas, j'avais une espèce de... d'orage magnétique là-bas, mais... Ouais, entre les rochers là. Et c'est juste les arbres qui apparaissent. Ah oui, j'ai des pixelisations un peu bizarres. Hein. C'est ça. En route. Je te suis. Hein. Tu as l'air de savoir où tu vas. À peu près. Je sais pas si on pourra monter, mais c'est par là. Il a dit que c'était au plus profond. Ah ouais? Ouais. Après, c'est un alchimiste, hein. Il est peut-être pas forcément... Ah oui, la profondeur, il sait pas trop ce que c'est, quoi. C'est ça. Et comme dirait Tilk, pour connaître la profondeur, il faut d'abord savoir chuter. D'accord. Alors, en haut de cette falaise, c'est le fameux tombeau de la reine, je pense. Et l'alchimiste, il est derrière. Deux solutions s'offrent à nous. On jette des grenades pour faire des trous dans la montagne et passer de l'autre côté. Non. On remonte au nord parce qu'a priori il y a un passage plus simple. Ou alors on fait le tour et on essaie de se faire le tombeau de la reine en passant. Comme tu veux. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un passage pour le tombeau de la reine au sud. Par contre je viens de perdre 74% de... De repos. De repos, ça fait mal. Tu vois ta barre de... qui font, tu fais ma barre. Bon, écoute, hein, s'il attaque pas. C'est ce que j'étais en train de me dire, il te regardait. Un chien de faïence. Bah, c'est ça. Je suis pas sûr que c'était de la faïence. Hein. Oh, écoute. Semis de lin pour la pépinière. Oh, trop bien. Ici, regarde. Du lin. Qu'est-ce qu'on va faire avec du lin? Semis de betterave. En fait, c'est Farm Simulator. C'est ça, c'est Farming Simulator 2024. Purée de légumes. Niveau 11, hein, les chauves-souris. Ça tombe aussi vite que le reste. Hein. Mmh. Mais drôle de bruit bizarre quand même. Hein. Ce serait pas ce château là, tu penses? Où on doit aller pour... Regarde. C'est quoi ce machin? Ça nous tire dessus en tout cas. Ça loot quoi? Un sac à poison. D'accord. Moi je suis plein.
Flèche empoisonnée en cuivre. En cuivre? Je crois qu'on a loupé les recettes. Je crois qu'il y a un ou deux trucs qu'on n'a pas vu. Alors ça serait bien dans la brume quand même, hein, cette affaire. Je me demande si c'est pas le château qui est là-bas. En face. Ah non, pas tout à fait. Ah ça pourrait, hein. Ça pourrait. Ah, je sais pas, il a dit au plus profond du chardon solitaire. Et on est au chardon solitaire. Ah bah, let's go. It's me, Mario. Et on voit rien. On y voit comme à travers une pelle. Oh, sale bait. Ah, elle fait de la brume, elle. Un sac de brume. Écoute. Comme ton sac à poison de tout à l'heure, mais avec de la brume. Allons-y, par ici. Ça doit être là-dedans, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà le chardon solitaire. Oh, il y a du monde. Attention à toi, ils sont nombreux. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Il y en a encore un au-dessus. Mais il vient pas nous attaquer, il est level 15. Il s'est échappé. Non, non, il est là. Je te couvre. Oh, il a de la vie, hein. Oh bah grand, hein. Si t'as décidé de faire de me faire dos, tant pis pour toi. Hein. T'as décidé d'être con. Moi ça me va très bien. Bon, j'avance. Vas-y, vas-y. Tu je récupère les épées que je transformerai en runes. Aïe! Il y en a une deuxième. Au-dessus. J'ai eu. Bien joué. Il y en a une troisième. Ah oui. Vu. Il y a même une quatrième. Que la troisième, c'est la... ta troisième, c'est pas celle que j'ai vue. Aïe. Ok. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Je suis à la porte du château. Ah. J'ai mon sac à dos plein. Il faut que je fasse de la place. Ah merde. Vite. Il est temps que je fasse du ménage. La porte du château est au-dessus. Ah oui, c'est bon, on retrouve... Ici on n'est pas embrumé. Si. Non. Moi ça remonte. Oui, mais dans un pas, si. Ah. Ah, t'es plus embrumé à l'étage. Ça me convient. Moi je dirais que ce serait plutôt en bas. Oui.
Mon esprit est brisé. Puis-je vraiment reprocher aux gens de se détourner de mes potions dans leur désespoir? La plupart de mes visiteurs sont des rats et d'autres nuisibles. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas révélés d'excellents partenaires de laboratoire. Ça avait l'air de mal se passer pour notre ami Balthazar. Ouais, de la ferraille. Des crochets. En haut, j'ai trouvé un coffre. Il y a besoin de crochets pour l'ouvrir ? Non, mais il y a des flèches en cuivre et une flasque de déchu dedans. Que je ne peux pas prendre. Puisque je n'ai plus de place. Il y a un hôtel de la flamme juste à côté. Ah. Je viens de le voir. Peut-être une mise en œuvre aussi déroutante et inhabituelle pour un bouton. Pose plus problème que prévu. Je pensais verrouiller la porte de mon labo de cette façon. D'accord. Sac plein, ramasser sac plein. Est-ce que tu as un petit peu de place sur toi ou est-ce que tu as des flèches en silex ou en ferraille que je pourrais t'envoyer ? J'ai des flèches en ferraille et en silex, j'ai les deux. Magnifique. Veux-tu des flèches en cuivre ? J'ai plus de place. Bien. Je les conserve donc sur moi pour le moment. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé une torche. Et la torche elle était jaune. Un tomahawk niveau 11. 26 de dégâts. Et j'ai une foudre du berger, donc une arme à distance. Un bâton avec 26 de puissance aussi. Il y a un bouton là. Et un arc lesté niveau 11, 19 de puissance. Ah là là, il y a trop de bons objets là. Il y a un truc à faire hein. Va devoir se délester de certaines choses. Planeur, j'ai toujours aimé les oiseaux. Ils se faufilent dans les vents sans effort. Embraser l'horizon, c'est tant difficile. Découvrir ce que l'on cherche, libre de toute corruption. Peut-être que l'humanité peut conquérir le ciel grâce à l'invention. Je devrais fabriquer un planeur et voyager jusqu'aux collines. Je crois que c'est fait, ça. Est-ce qu'il serait pas en bas son labo ? Alors je ne sais pas, mais ici j'ai un coffre avec encore des potions de soins et des conneries comme ça. Surtout, est-ce que tu as des runes ? Ouais, joli. J'ai des runes. Je t'envoie les miennes. Je vais être trop loin, je pense. Tu es trop loin, ouais. J'ai trouvé si le mortier. Fantastique. T'as de quoi l'embarquer ? Non, j'ai plus de place. Attends, faut descendre ? Ouais. Touk. Et il y a un coffre aussi. Donc je t'envoie mes runes. Ok. Je ramasse le fameux mortier. Ah, les grandes potions, yes. Là, il y a un coffre. Il y a du coffre. Il y a qu'un seul objet dedans. Est-ce que t'as des écussons ou des fourrures ? J'ai des écussons. Bah, et j'ai de la fourrure. Tu peux m'envoyer les deux si tu veux. Hop. Tiens, je t'envoie un petit bâton dont tu me diras des nouvelles. Est-ce que tu as des sacs de brume ? Non. Non. Si, sac de brume, si. Attends, je t'envoie les miens. J'en ai un. Bah, je pense qu'on peut rentrer à la maison. Ah non ! Bah non ! On va pas être con. Pour monter tout en haut. Pourquoi donc ? Pour sortir du château, par le toit. Et ?
Pourquoi tu veux sortir du château par le toit? Je vois pas devant. Hop là. Une chapelle de la flamme. Mausolée de flamme, mis à part l'atterrissage aventureux, tout me satisfait. Après, j'ai trouvé un hôtel de la flamme. Je suppose que les anciens laissent des étincelles auprès de leur disparition. Leur lumière rejoint la flamme et imprègne toute la connaissance amassée durant leur vie. Pourtant, parfois, ils reposent dans ces sanctuaires, en haut des falaises ou des grottes éloignées. Voilà, deux petites étincelles. Il lance un combat. Cet homme serait-il fou ? Est-ce qu'on rentrerait pas à la maison ? On peut. On a son mortier déjà. Maison. Maison. La maison. Ah, le charpentier veut nous parler. Les Vuka. Depuis quelque temps, je n'arrête pas de me dire que les Vuka ont toujours été des bêtes, liées à leur grotte. Mais ils ont voyagé vers l'est, peut-être que ça mérite une enquête. Peut-être que leur point de rassemblement, on pourrait trouver des réponses. Ah, c'est ça qui va permettre les invocations. Votre pas est silencieux, votre regard est déterminé. Vous êtes en chasse. Je ne vais pas vous demander quel animal sauvage vous chassez. Mais vaut mieux, votre butin est médiocre. Essayez de ramasser de la fourrure, après nous parlerons. Il se fout de ma gueule. Va mourir. Bon, on a la recette des flèches empoisonnées. Mais il faut des flèches en cuivre. Mon mortier, oui, protection de la flamme. Sans de flamme, vous savez pourquoi vous portez ce nom ? Vous êtes issu de l'union sacrificielle entre les anciens et les humains. La flamme de l'ancienne âme vous permet d'entrer indemne dans la brume. Mais son éclat ne dure pas éternellement. Oui, on sait. Ah, il faut du miel et de la camomille pour faire des grandes potions de soins. D'accord. Là, c'est marrant, il me dit que j'ai pas rendu son mortier. Mais tu lui as rendu le mortier. Ah oui. Bah moi il veut pas. Il dit que le mortier n'est pas rendu. Intéressant. Alors l'alchimiste pourtant. Quel spirituel, mais un mortier. Il faut du sable, un tas d'argile, du soufre, des nitrates et du charbon. Ah, il faut lui faire. Il faut mais le fabriquer, ouais. On vient de lui rendre, il se fout de ma gueule lui. Dans l'inventaire, hein. Attends. Peut-être que je l'ai dans mon sac. Effectivement. Il faut voir si je peux pas lui parler. Non, lui donner. Je le pose. Regarde, c'est un petit mortier. Avec être terminé l'alchimiste. Regarde, je l'ai posé à côté de la table. Ah oui, bah c'est le mortier qu'on a trouvé, oui. C'est le mortier. Ah, il faut le poser pour qu'il y ait accès, c'est ça ? Certainement. Ouais, c'est ça. Ok. Flasque de déchu avec des fraises. Plus 20 en endurance. D'accord. Par contre, on en parle du tomahawk tout pourri, là, même pas amélioré, là, qui fait déjà plus de dégâts que mes armes à deux mains. Écoute, c'est peut-être parce qu'on avait rien à foutre là-bas. Tu crois ? Je vois pas de quoi tu parles. Il me faudrait de la résine. Puis ça coûte que dalle à améliorer en plus. Allez, vas-y, prends. Et hop, 29 de dégâts.
Oui. Très bien, voilà. J'ai ce qu'il me faut. Attends. Il faut que je trouve un truc à taper pour essayer. Faut que je trouve un truc à taper. Taper ? Ah. Ah bah oui, ça casse des bouches. Hein. C'est-à-dire que le loup qui était dehors, il en a pris une et terminé. J'ai vraiment besoin d'un banc de scie. Ok. Bah voilà. Et hop. Coffre moyen plus 3 autres dans le charpentier. Oulala. Mais pour ça, il nous faut le banc de scie. Oh, mais on a des nouvelles chaises. On a un trône en bois poli. Est-ce qu'on placerait pas la fermière pour terminer cet épisode? On peut. On peut. Tac. Bon, la fermière, on la fout dehors, non? Moi, je pense, hein, quand même. Hein. Allez, Emily. Paf! Abri. Nous avons tous le mal du pays. Même moi. Vous pouvez me construire une pièce, je pourrais vous aider. Ah ouais, elle veut carrément qu'on lui fasse... Une purée de lait. Il faut du sol agricole. Avec de la terre et de la farine d'os. On peut déjà en faire. Oui. On doit pouvoir faire une... Ah, il faut la mettre dans la maison. Ah oui, elle n'est pas à l'abri. Oh. C'est mieux ? Tu le fais, sang de flamme, tu guéris les hautes pâtures, mais notre monde est vaste, crois-moi, je l'ai beaucoup parcouru. Vise le tour des anciens dans le bois envoûté. Plutôt la tour des anciens, dans les bois envoûtés. Cela ouvrira davantage notre monde. J'ai fait une pépinière. GG. Et moi j'ai discuté avec la chasseresse qui m'a dit qu'elle avait perdu son fuseau. Ah, horaire ? Certainement. Et hop, tac. Et du coup, elle nous a appris à faire des armures de tireurs d'élite. Oh! Voilà! J'ai posé ta pépinière. Avec de la fourrure séchée. Et c'est con, je viens et du de. Lin. Ah oui. Ah oui, le garde forestier aussi. Alors, des semis d'arbustes. Il faut des. De la fibre pour faire des semis d'arbustes, quoi? Ouais, mais y a tellement d'armure déjà. Attends. J'ai peur de comprendre. Je lui mets de la fibre, elle nous fait des graines. Mais des graines de quoi? Elle a toujours pas de nouvelles armures en métal, by the way. Semis de champignons rouges. Avec de la farine d'os et des champignons. Des tomates avec de l'eau et de la tomate, des betteraves avec du sol agricole et de la betterave, des buissons à baies avec du sol agricole, des baies violettes et de l'eau, alors, du lin avec de l'eau et du lin. Ça a tout l'air d'être juste pour du terraforming, hein, ah bon la pépinière. Bah, consommer une tomate pour faire pousser un plant de tomate et récupérer une tomate. À moins qu'on en récupère 3 ou 4, tu vois, je vois pas bien l'intérêt. Ouais. C'est pas faux. Alors, il y a peut-être un truc, hein. Il y a même sûrement un truc. Certainement, oui. Elle veut un foyer pour faire du pop-corn. Bah, alors, non. Et elle veut un foyer. Ouais, elle veut un foyer pour faire un. Non, un foyer, une marmite. Ah. Je sais même pas si on sait fabriquer ça. Une marmite? Ouais. Bah, on a le feu de camp. On avait la cheminée que t'as mis en place, là. Ouais. Ah, si. Attends, il y a un foyer ici. Bah oui, normalement c'est bon, non? C'est ce que t'avais mis?
Bah ouais, moi j'en ai mis un. Si je ferme la porte, elle considère ça comme un foyer? Non. Est-ce qu'il faudrait la mettre à côté du foyer? Bah les autres on n'a pas besoin donc ça m'étonnerait. Mais en même temps, elle me dit foyer, mais ça ressemble plus à une marmite, tu vois, c'est vraiment... T'as un feu de camp avec une marmite posée au-dessus, là, en mode... Ouais. C'était dans quoi? C'était dans l'atelier pour voir ce qu'on pouvait faire. Hein. Il y a des runes à deux endroits différents. Voilà. De la fourrure séchée, on en a encore un peu. Oui, on en a encore 14, je crois. Parce qu'il y a le petit ami, il y 10. a le, il y a le petit sac à dos qui est faisable. Ah, moi, je l'ai déjà, le sac à dos. Ah ouais? Ah, tu l'avais Ah pas encore? car. Bah non, tu gardes toute la fourrure. Elle est où ta fourrure? Bah elle est dans les coffres. Et tu peux... Ah oui, c'est parce qu'elle est pas dans un coffre magique. Attends. Ne Ah. bouge pas. Je t'envoie ça. Merci bien. Ah, voilà qui est nettement mieux. Là avec une ligne de plus. Ce n'est pas dégueulasse. Certes. Eh ben, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye! Salut!